Yo les potes, c'est Tinax. Aujourd'hui, on va faire Rick en dessin facile. Donc là, on va commencer par faire la tête. Donc moi, je suis avec un crayon papier. Donc là, on va commencer par faire la tête. Voilà. Après, on fera les cheveux. Enfin, avant déjà les oreilles, parce que les oreilles, ça va être difficile. Donc voilà. Alors, les oreilles. Faites ça, c'est simple. Je sais qu'il y en a où ça peut être difficile de faire les cheveux. Juste à faire ça. Voilà, ça c'est fait. Après, on va faire la bouche. Comme ça. Voilà. Voilà, vous avez juste à faire un petit truc comme ça. Je vous laisse faire. Après, c'est un peu de vomi, je crois. Du vomi. Voilà. Donc là, le vomi, c'est ça. Après, on va faire les yeux. Les yeux qui sont, c'est pas des ronds fermés, quoi. C'est ça, on peut. Voilà. Et voilà. Voilà. Donc là, le nez. Donc là, pour les yeux, ce serait simple. Vous faites un trait au milieu, comme ça, droit. Comme ça, voilà. Et après, vous faites un petit rond. Là, vous avez fait ça. Après, on va faire un peu les rides. Voilà. Les sourcils. Et là, les rides un peu au-dessus. Donc là, vous avez votre personnage. Et il ne reste plus qu'à colorier. C'est parti. Là déjà, je vais déjà aller avec du 120. Si vous voulez voir. Voilà. Et je vais repasser tous les traits. On va repasser la tête. Là j'ai vu au gros feu, mais il vaut mieux aller au plus petit parce que là après ça grossit un peu l'image et vous voyez les yeux je l'ai un peu mal fait donc voilà quoi, petit conseil. Après là je vais prendre du vert pour faire le vomi qu'il a là. Voilà, c'est comme ça. De là, je vais prendre une couleur pour la peau. Dans la dernière vidéo, j'avais pris une couleur un peu trop nulle.
Même nul. Maintenant, bah, j'essaie de prendre une couleur un peu mieux, on va dire. Parce que les couleurs que j'ai utilisées, bah, c'est pas les meilleures. Pas du tout. Pas du tout les meilleures. Voilà. Là, on est parti. Moi, c'est des feutres à l'alcool que j'utilise. Tous mes dessins, c'est des feutres à l'alcool, donc voilà. Ça, c'est un peu renseigné. Après, je suis un peu un débutant, on va dire, donc... Il y a mieux comme dessinateur. Et je me débrouille. Pas mal. Là, on va prendre du bleu foncé et du bleu clair pour faire un des... Ah, j'oublie à chaque fois les noms, je sais pas pourquoi. Un dégradé. Couleur, c'est mieux. C'est plus beau. Voilà. Alors là, voilà. Normalement, ceux qui regardent la vidéo, ils savent colorier. Enfin, je crois. Je connais pas tous. Je connais personne même. Bah oui, hein. Voilà. C'est bon. Et là, on va repasser au bleu foncé sur les côtés. Histoire de. Et donc là, bah, le dessin est terminé. Et là, on peut écrire un petit... Là, c'est comme vous le souhaitez, vous regarderez. Un petit ric de couleurs. Donc là, je vais prendre du jaune et du bleu et du vert. Tout ce que j'ai déjà utilisé, ça va revenir. D'ailleurs, il est où? Il est pas si haut. Je perds mes affaires. Voilà. Donc, bleu. On peut mettre du jaune et du vert. Et voilà. À l'intérieur, bah, vous faites que vous voulez la couleur que vous voulez à l'intérieur. Et donc bah voilà, on a créé Rick. Et bah j'espère que la vidéo vous a plu. Et n'hésitez pas à liker et vous abonner. Voilà, salut.